Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo, petite série de nouvelles vidéos, ça s'appelle l'Overwatch et on va vous faire vivre des moments de replay pour savoir si les gens cheatent ou cheatent pas. Le cheat ou cheat pas, bah, ça débarque sur notre chaîne YouTube, on va vous faire ça de manière très régulière. Manu, une petite démo de notre suspect sur Train. Un suspect qui va, on va voir, peut-être être intéressant ou non. Dans tous les cas, bon, c'est le warm-up pour l'instant. Et bon, bien évidemment, il va falloir définir si c'est un wallhacker ou un AIM bot. Et ça, on va le voir assez rapidement. Pour l'instant, premier indicatif, regarde le warm-up, son viseur, il se balade un peu vers le bas. Donc ça doit pas être un top player. Ouais, et ce qui me fait un peu peur là, c'est que tu vois, le round démarre et le mec, il est AFK. Peut-être est-il en train de régler je ne sais quoi. Ça y est, il est parti, il a bougé son viseur. Ça va être sympa de voir ce qui va se passer. Il va Ouais, arriver au donc. niveau de ce Z. Oh. Alors pour l'instant, il fait pas grand-chose. Regarde sur le radar, pour l'instant il a l'air de tirer Il tire dans le vers le mur! Tox. Il tire dans le mur pour l'instant et c'était en direction des joueurs, donc c'est un peu suspect quand même. Et là pour l'instant il décale. Bon, pas trop d'aimbot pour le moment, hein, Non, et pas d'aim du voilà. tout, même. Pas du tout, hein, vraiment skill de Par contre mouette. là tu vois, là le mec, coucou, je t'ai vu à travers le mur et je te tire de l'autre côté, pas discret du tout. À mon avis, tu vois là comme ça d'instinct sur ce round, oh, t'as vu comment il déplace son viseur? Non, ça c'est sûr et certain wallhack. Tu vois qu'on va se Alors marrer là, là. on va voir, je crois Écoute s'ils qu'effectivement on arrivent. va pouvoir se marrer. Regarde, il regarde le mur et quand ils arrivent, il décale juste au bon moment. Il regarde le mur encore une nouvelle fois et je suis sûr et certain qu'il y en a un autre qui va décaler et qui va faire le kill juste. Voilà, il va repositionner son viseur, il fait le kill. Bon bah voilà, on a un client effectivement, Wallhacker spotted. Ah ouais, non, c'est over spotted direct. 1 minute 26 de vidéo. Pouf, le mec est déjà cheaté de spotted. Ah, c'est cool. On va voir ce qu'il va nous proposer d'autre. En tout Bah cas, pour. là, j'ai bien l'impression. Le problème, c'est que tu vois, là, tu te rends compte qu'il y a un truc chelou. Le mec, il a AFK au spawn. Il joue de temps en temps. Il est en train de régler sans doute la suite de son shield. Mais en tout cas, là, sur les deux premiers rounds, j'ai envie de te dire, c'est un bon gros cheater. Effectivement, en plus comme tu le dis, le fait qu'il reste au spawn comme ça, c'est souvent indicatif que la personne back Windows règle son shit, est en train de faire quelques manipulations. Et là, il va repartir dans son aventure. Donc quand c'est un wallhacker, c'est sûr et certain maintenant, on va voir si s'il va pré-shot. Regardez, il regarde à travers le mur encore une fois, il est en train de suivre un joueur là à travers le mur. Il est au niveau du fond là, il commence déjà à Oh, le tirer avant de le pré-shot! voir. Oh là là. Oh, le shit-touser, eh! Il fait tomber la bombe en plus au passage. Oh, c'est moche! Oh, c'est moche, je suspecte t'es spotted. C'est horrible ce qu'il vient de mettre à cet adversaire. Et là, il est en train de chercher le dernier. Par contre, il a pas la vie, il voit pas assez loin pour se rendre compte que le mec il est au niveau du jaune ou il a vu la bombe et du coup il bouge plus. Ouais, je Voilà. pense qu'il a vu la bombe, il a plus envie de bouger. Mais là, il se prend pas trop la tête, hein, le mec, hein. Il est sur la bombe, il a bien wallaki, il a bien vu où ils étaient. Ce qui est marrant, c'est que il va directement où ils sont, donc ça, c'est sûr et certain. C'est un wallaker. Yeah. On va voir le Allez, au round nouveau suivant. round. Ce qui va refaire le show, encore une fois, là, cette fois-ci, il prend carrément l'auto-sniper. Et le mec qui d'ailleurs au niveau de sa thune ne la gère absolument pas comme il faut, il achète des armes à tous les rounds n'importe comment, il rachète d'autres armes. Mec, ils sont décomplexés. En même temps c'est round 4, il dit que ses adversaires sont armés. Je trouve que c'est un round by logique, Manu, hein. C'est round 4. Pour moi, il n'y a rien d'illogique dans ce qu'il vient de faire. Ouais, mais bon, il avait déjà un Oh, Manu! P90, hein. Attention, attention. Regarde, regarde comment il regarde là. Il regarde où ils sont. Oh là 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 là. Oh, c'est moche. Oh, c'est Ah beau. non mais le mec, tu veux pas te faire griller, mais là, mon pauvre, je crois que tu vois là qu'il était bien grillé quoi. Par contre, je pige pas ses moves avec son auto-snipe là parce qu'il sert Regarde. absolument à rien. Ses mates meurent un par un. Là, il cherche son adversaire qui passe à travers le mur. Du coup, il va aller voir ce qui se passe un peu plus loin. Oh, non mais je trouve ça hallucinant hein, ce genre de cheater là, vraiment. Le mec, bon, il fait même pas de se cacher, hein. Rien, il suit le mec à travers le mur. Il a un objectif, c'est tuer cet homme. Et il va le suivre, hein. Il va pas s'en empêcher de le Mais il est pas buter. bon en plus, hein. Ah, il est pas du tout bon, hein, parce que son viseur est vraiment bas. Pour l'instant, il a repéré un joueur sur le BP. Il a un joueur qui risque d'arriver dans son dos. Il a spawn CT. Voilà, il fait le premier kill sur le BP. Il l'a même pas vu, hein. Bim, il a directement décalé. Il a vu un mec à travers le train là. Et notre suspect n'a pas. Ouh. Il n'a pas des yeux derrière la tête parce qu'il s'est fait comme avoir. Non mais
En plus de cheater, il est pas bon quoi. Dans le move qu'il vient de faire juste avant, il est absolument pas bon. Il doit contrôler l'extérieur avec son sniper. Il a la visu, il sait où son adversaire arrive. Et en plus, il va leur courir dessus avec un auto-sniper. Il se fait totalement ouvrir le cul. Mec, ça serait bien que tu branches ton charbon. Là, tu regardes, j'ai l'impression que le type, bon, fond, il est dans un état d'esprit où, bon, je cheat, mais sur certains rounds, je vais montrer quand même que je sais pas trop où ils sont, je vais me mettre à l'opposé, je suis en slow là, au niveau du BPA, il y a certainement de l'action qui se passe au niveau du B, mais bon, voilà, je m'en fous un petit peu, j'ai pas trop envie de d'attirer l'attention. Ouais, c'est ça, il veut éviter que ses adversaires aient des soupçons de shit sur lui, mais s'il a été report, c'est qu'il a été spotted. Oh, t'as vu, son visage était pile poil sur le type, quoi, enfin voilà, quoi, c'est. À partir de là, même je pense en face, ils ont dû comprendre ce qui se passait quand même. Et là, il repart sur un bon sur un round full écho, il a même pas acheté. Ces mates non plus, ah si, et ces mates font un petit peu n'importe quoi. Est-ce que ça serait pas du matchmaking de level 0? Ou le TK au passage, ça serait pas du très très bas level là de ce matchmaking? Mon avis, ce type, même avec son cheat, il doit pas être très très bien ranké. Ouais, il y a un mec là juste au-dessus de lui, arrière. Et il s'en va. Ah là là. Il Coucou les reste amis! encore le suspect encore en vie. Il suit le joueur à travers le mur. Il saute et il se fait avoir. Donc là, je pense qu'on est déjà à plus des trois quarts de l'Overwatch. Là, ça va bientôt terminer, je Bah pense. par contre, tu vois, autant Wallach, mais IMBot, zéro hein, pour le moment. Rien vu de chelou à ce niveau-là. Par contre, là, il est hyper AFK, ça sent l'entourloupe. C'est vrai que bon, le mec est de plus en plus AFK et pourtant il avait un Wallach qui est activé depuis le début. Est-ce qu'il va sortir la Yembot? On sait pas encore. Pour l'instant il a sorti. Oh là là! Oh là 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 là! Il a pas mis des trucs comme ça depuis le début de la partie! Et la flûte, il lui a bien soufflé dans la tête, on peut le dire. Comment il a fait? J'ai pas vu le kill. Et Je l'ai c'était pas comme vu. ça, bim bim, comme ça. C'était assez hallucinant. Je pense que le monsieur a activé la Yembot. J'ai besoin d'un deuxième round pour être sûr parce que j'ai absolument rien compris au round précédent, Manu. Absolument rien compris. J'ai absolument rien compris aussi, mais c'était, je veux dire, depuis le début de la partie, il a jamais mis des headshots comme ça instantané, un réflexe de folie. Là, c'était quand même, il a à peine vu le type passer le train, qu'il a mis une tête. Donc là, il est directement au niveau du Z. Il y a un joueur qui Voilà. arrive, le headshot. Bon, là, c'était assez rapide, mais quand même, il y a encore trois joueurs en vie. On va voir ce que ça va donner. Oh, Violet qui vient de se prendre une tête là. Il a dû passer au vert. Ouf. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Le mode cheatouze activé. Wallach, IMBot, il a tout fait le garçon. C'est monstrueux ce qu'il vient de caler. Aïe 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 aïe. Wallach plus IMBot sur ces deux derniers rounds. Je pense que c'est à partir de ce moment-ci en fait que ses adversaires doivent le report. Ils n'avaient pas dû le report au bout de 3-4 Oh, rounds. t'as vu? Mais là Oh, je il a pense que tiré c'est avant de le juste mon voir, spawn. et là c'était Voilà. rien à Là c'est dire. spotted. En plus le mec saute, il va lui mettre une grosse tête. Moi je pense que tu peux le report. Bah, ça a été report, je pense. Et de toute façon, c'est sûr, je les report. Et ça va être tout simplement, j'espère, banni pour d'une part Wallach et en plus, Aimbot sur la fin. Ok, bah on se retrouve la semaine prochaine pour se refaire un nouveau Overwatch, Manu. Carrément pas de soucis, histoire un petit peu d'aider la communauté à se débarrasser des cheaters. Ciao ciao! Ciao!